Ça, t'as compris que c'était un jeu japonais? Je pense que oui, hein? Voilà, salut petits amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Yoshinoya. Aujourd'hui on est sur PlayStation 2, sur un jeu mais totalement connu, et j'ai hâte de vous définir un petit peu ce que c'est ce jeu, parce qu'il est très spécial. Aujourd'hui, c'est un jeu alors, c'est un jeu très arcade, vraiment très amusant, je ne m'attendais pas à voir un jeu aussi amusant, et honnêtement c'est un très bon jeu. Aussi étonnant soit-il, parce que sur ses apparences, parce que vous avez vu que dans la miniature, j'ai mis une image qui pourrait paraître que j'ai fait du random, hein, de la random recherche sur internet et tout. Non, c'est la couverture du jeu. Enfin, la jaquette pour le coup. Voilà, sur PlayStation 2. Donc, Yoshinoya est un jeu tout simplement arcade de gestion de vendeur de gyudon. Voilà. Je pense que c'est du porc sur du riz, me semble, hein, de souvenir, dans la recette. Et alors, Yoshinoya est un nom d'une entreprise tout simplement de restauration rapide. Né en 1899, et ils ont créé ce jeu dans le but tout simplement de promouvoir leur marque, leur restaurant de consommation rapide. Enfin voilà, vous savez un petit peu la chose, c'est un jeu de promotion, voilà, tout simplement. Et aussi étonnant soit-il, parce que bon, quand tu vois la jaquette du jeu, quand tu vois la mauvaise qualité, tu te dis, mais t'as peur, tu te dis, mais. Tu vois, quand tu vois la jaquette du jeu, tu as cette première impression de te dire, oh, c'est de basse qualité. Bah honnêtement, le jeu va être tout autant. Et ben, détrompez-vous les gars. Le jeu est très arcade. Il est vraiment très bon. Je m'attendais pas à ça. C'est une surprise intégrale. Je pense qu'on peut définir ça comme ça. C'est une entière surprise. Yoshinoya est vraiment un bon jeu. Il maintient vraiment. Bon, vous avez vu ici, c'est de la restauration rapide. Vous devez servir les clients avec les boutons de la manette. Choisir les bons ingrédients, donc choisir le bon bouton de votre manette. Mais le rythme est tellement effréné et tout, que tu es concentré dans ta partie, que ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne et tout. Au final, tu dois servir quasiment 5, 6, 7, 8 clients à la fois par moment. En même temps, tu dois gérer tout ça et ne pas appuyer toujours sur le même bouton et tout. Ah, c'est quelque chose, les gars. C'est quelque chose, ce jeu. Donc on va tout de suite commencer. Alors voilà, un jeu totalement mais sorti du fin fond de la PS2, hein. Sachant que bon, des promotions de marque et tout. Alors, j'avais fait également Karumera sur PS1 qui était vraiment très bon aussi. Bon, l'émulation était un petit peu buggée, c'est un petit peu dommage, mais en soi c'était un petit peu le même principe. Karumera, tu vendais un vendeur de nouilles, hein, sur place et tout. Comme dans l'ancien temps, il appelait tout simplement les habitants avec un sifflet et tout. Et tu servais ton bol, enfin, tu gérais tes ingrédients globalement. Enfin, c'était plus un jeu de gestion. Là, pour le coup, on se retrouve typiquement sur un jeu beaucoup plus arcade auquel tu dois faire de la restauration rapide. Voilà. Bon, consommation, restauration rapide, c'est un peu Yoshinoya, hein, c'est la boîte qui veut ça. Et donc, ils ont retranscrit ça un petit peu dans le jeu avec un jeu très arcade et qui est basé sur vraiment le rythme de la restauration rapide. Et nous-mêmes, dans le jeu, on va devoir être très rapide. Voilà, je tiens à le dire. On va créer, on va créer, oui, on va faire une nouvelle partie, tout simplement. Alors, vous avez le choix, hein, des employés, bon. Vous pouvez en débloquer d'autres, hein, bon. Après, je sais pas si ça impacte vraiment dans le gameplay, si on a vraiment un arbre de talent ni rien du tout. Honnêtement, je suis pas assez encore bon en japonais pour vous traduire ça, mais bon. J'imagine que non, mais bon. Ils ont fait dans le simpliste, mais efficace, j'ai envie de te dire aussi. Donc, c'est pas un problème pour moi. Alors, moi, je prends toujours ce personnage. Donc, j'y ai joué 2 heures à ce jeu avant de vous faire cette vidéo. Et honnêtement, mais le jeu est vraiment bon, quoi. Ça m'a. Je me suis dit, pour un jeu publicitaire, je me dis que tu fais pas que des jeux publicitaires par moment auxquels tu fais passer la. Comment dire ça? Bah, tout simplement la promotion de la marque avant le plaisir de jeu. Moi, pour un peu, un jeu publicitaire, de ce que j'ai vraiment eu comme expérience, c'est rendre des jeux avec le gameplay à chier, littéralement, ouais, excusez-moi du terme, mais voilà. Mais c'était juste, achète mon truc, voilà, je t'en fais la promotion, et puis voilà, démerde-toi. Là, c'était bon, quoi. Là, franchement, ce jeu est bon.
Après, je sais qu'il y avait un jeu McDonald's sur Mega Drive, si je me souviens bien de de sa marque, il me semble que c'était ça, qui était pas dégueu également. Je vous en ferai peut-être un let's play un jour. Mais voilà. Donc on va voir un petit peu le tuto de jeu globalement. Donc à droite, vous avez la barre de satisfaction. Donc si ça atteint un certain seuil, bah vous perdez la partie, hein, c'est aussi simple que ça. Mais le jeu, tu vois, très simple dans son fonctionnement, mais très efficace. Donc en gros, tu vas avoir des clients qui vont venir, tout simplement. Donc là j'attends. Faut savoir que là, ce qui est en surbrillant, c'est là où vont se déposer les clients, tout simplement. Donc maintenez quand même un œil sur ça avant que les clients viennent, hein. Vous avez le temps en bas, vous avez le nombre de bols servis. Alors là, on a un premier client qui arrive, un potentiel premier client. Et là, ce qu'on va clairement te dire, c'est que bah une fois que ton client est arrivé, on va t'afficher une touche. Faut savoir que les clients, voilà, lui je sers, mais une chose très importante à savoir, vous pouvez vous faire une idée de la touche à appuyer sur tout simplement l'apparence du personnage. C'est-à-dire que si j'ai un monsieur comme ça, avec des cheveux violets qui va revenir, je sais que pertinemment je vais devoir appuyer sur triangle. Donc tu vois, tu dois mémoriser un petit peu en même temps que de faire rapidement tes gestes. Dit comme ça a l'air simple, mais en pratique. Ah, c'est autre chose, les gars. Ah, je vous dis tout de suite, c'est autre chose. Alors, votre score sera comptabilisé hein, à la fin, tout simplement. Le but, bien entendu, est de servir le plus possible. Tout en ne faillant pas, hein. Voilà. Alors là, tu vois, c'est comme je te dis, hein. Si un client ressemble à ça, tu sais que pertinemment, ce sera rond. Donc là, voilà. Là, tu sais que pertinemment, tu vas devoir appuyer sur le même bouton. Bon, c'est du tutoriel, les gars. C'est un peu logique pour le coup. Voilà. Le but est de maintenir tout simplement la jauge, hein, de satisfaction des clients vers le haut, jusqu'à la fin de la partie. Et d'enchaîner le plus possible, hein, voilà. D'affiler les bonnes commandes. Donc c'est marrant, c'est une sorte de QTE un petit peu dirigiste, tu vois. Mais un petit peu rythmique, dans le sens où tu dois maintenir un score élevé et maintenir un combo pour tout simplement finir avec le meilleur rang possible à la fin. C'est assez marrant, je trouve. Voilà. Bah pour le coup, voilà. Comme j'ai bien fait mes actions et tout, j'obtiens certains badges qui vont me gratifier un meilleur rang jusqu'à la fin, bah, pour le coup, jusqu'à la fin du niveau, tout simplement. Donc voilà, je vous ai expliqué le jeu en soi, ce qu'il est, dans ses mécaniques et tout. Maintenant, passons à la pratique, tout simplement. Voilà, il t'explique que si ça tombe à zéro, bah, ça va se terminer, voilà, bon. On connaît le schéma, j'ai envie de dire aussi, hein. Voilà, et là, je pense qu'on va passer au sérieux. Je pense qu'on va passer vraiment à ce qui est de sérieux. Et regardez, les temps de chargement, les gars, ils durent pas longtemps, hein. Le jeu était bien optimisé, hein. C'est... Non mais, c'est un jeu publicitaire, encore une fois. C'est un jeu sans prétention, ni réelles intentions. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose de concrètement très bon au niveau de la jouabilité. Ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne. Le nombre de jeux, encore une fois, le nombre de jeux publicitaires qui étaient à chier au niveau du gameplay. C'était ouf, quoi. C'était ouf. Voilà, on peut sélectionner son niveau. Avec certaines difficultés, d'ailleurs. Faut savoir que le nombre de bols définissent le nombre de. Enfin, la marge de difficulté, si vous voulez. Ou la courbe, hein. C'est plus français de dire ça comme ça. Donc, on va sélectionner le premier pour faire doucement et tout. Et vous voyez que j'ai eu un 0 en bas, ça veut dire que c'est le score tout simplement. Comptabilisé selon vos réussites, hein, vos combos, tout ça, tout ça. Alors lui, il me semble que ça va être triangle, ouais, comme d'habitude, carré. Alors je vais me concentrer un petit peu. Alors, pour bien. Comment dire ça? Ouais, je vais mettre pause. Pour bien savoir que tu sers bien, tu te fies tout simplement quand tu es proche d'un banc, tu as une marque bleue qui se met. Soyez bien sûr d'appuyer vraiment bien comme il faut. Parce que disons qu'à certains moments, tu vas servir à côté ton plat et tu vas faire une erreur bête. Soyez sûr que le marqueur soit au bon endroit. Voilà. Simple que ça. Voilà. Là, ça va, c'est du rythme normal, j'ai envie de dire, hein. Et bon, petit à petit, les clients vont affluer, hein. Donc faisons quand même très attention. Voilà. Hop. Ah, j'en ai servi dans en même temps.
Ah oui, j'ai oublié de dire que si deux personnes qui sont côte à côte sont les mêmes clients et veulent la même commande, donc avec le même bouton, vous pouvez faire un combo qui va tout simplement servir les deux clients. Ce qui est très très bien, ce qui est vraiment excellent. Et voilà, des fois vous aurez un petit indicateur pour vous dire, ah regarde, y a tel client qui arrive, hein, fais attention. Voilà, donc voilà, on se débrouille bien ici, bon c'est un peu normal, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est une difficulté 2, vous allez voir en difficulté 4 ce que ça donne. Ah, ça donne envie, hein. Ah, ça donne envie. Alors là, ça commence déjà. Ok, bien. Oui, c'est fun, hein. C'est extrêmement fun. Moi, je trouve ça vraiment bon. Alors là, par contre, attention. Mode speedrun activé, là. Ah, vite, vite. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, 22 dieu. Il s'énerve. Oh, attention, attention. L'attention est palpable. L'attention est palpable. J'ai réussi? Oui. Oh, hé, j'ai rien raté, les gars. Oh, c'était nickel. Ramper. Ah, oh, je m'attendais à mieux. Eh, j'ai bien joué pourtant. Alors, il me semble que dans ce jeu, bon, on ne peut pas courir, hein, donc, à moins que j'ai pas touché au bouton courir, mais il me semble que j'ai pas eu ça, quoi. Donc voilà, ouais, on va tester le niveau suivant. Non, j'ai pas trop. Attends, fais voir. J'ai peut-être envie de voir un truc rapidement. Ça c'est peut-être continuer la partie, je pense, non? Non, je pense que, écoutez. Vous savez quoi? Parce que j'ai joué mon personnage principal ici, j'ai envie de tester l'autre personnage, voir ce que ça donne. Tout simplement. Alors, ça va me permettre de découvrir également s'il y a des caractéristiques spécifiques au personnage. Ok, on est parti les gars. Ah, ça fait du bien de vous partager ce genre de jeu. Parce que vraiment, mais c'est le fin fond, hein. C'est le fin fond de la PS2, hein. Mais littéralement. Donc autant vous dire que vous verrez pas ça tous les jours, hein. Donc profitez bien. Ah si, on peut courir, d'accord. Oula. Pourquoi est-ce que ça baisse du niveau? Pourquoi que quand je cours, ça baisse du niveau? What? Par contre, ça c'est bidon. Si tu cours, ça baisse le niveau de morale. Enfin, de satisfaction du coup. Et c'est ridicule. D'accord. Ok. Bon après tout l'intérêt là ce serait quand même de gérer. Ouais. Ce serait quand même l'intérêt de gérer tout en marchant normalement. Hein. Vous avez vu qu'au premier niveau c'était le cas. Donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Non, ce qui est bien, c'est que tu es libre. Hein. Donc tu finis le tuto, mais tu sélectionnes n'importe quel niveau, en fait. Ça, c'est très très bien, je trouve. Alors. Bon, on va vite remonter la pente en tout cas. Ah, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle vienne. On va peut-être s'asseoir au même banc. Oui, voilà, merci. Ok, là, elle respecte clairement la même chose. Et puis, allez, graphiquement parlant, bon, c'est pas non plus une prouesse de la PS2, certainement pas. Mais franchement, c'est pas dégueu, je trouve. Hein. Ce jeu est vraiment pas dégueu. Tu vois que ça a été fait avec les moyens du bord, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors c'est fini normalement? Oui. Ok, bon bah on est pareil. Bon voilà. Gameplay extrêmement simple, mais efficace. Et en tant que jeu de rythme à la fois, mais jeu très arcade dans sa. Bah, comment dire ça? Dans tes réflexes d'essayer de servir les meilleurs clients, d'appuyer sur les bonnes touches et tout. Et t'as vu, c'était à difficulté 2 tout à l'heure. Mais à un moment, ça s'est accéléré, mais un truc de dingue. Hein. Donc, faut quand même des fois faire très attention. Good. Bon, on va pouvoir vraiment jouer là pour le coup. Ouais. Donc, ça, c'est notre manager, hein, tout simplement. Donc, voilà, on a un total de 6 niveaux à terminer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, en fait. Attends. Alors, ça, c'est pas 10 niveaux. Ah non, il n'y a que 3 niveaux. Il n'y a que 3 niveaux. Ah, c'est étonnant ça. Alors peut-être qu'avec l'autre gars, il y avait plus de niveaux, mais. Ah, j'ai peut-être pas bien vu, quoi. Non, parce que je me suis beaucoup entraîné sur le niveau 4 en fait. Pendant 2 heures quasiment. Donc pour essayer de maîtriser un petit peu le gameplay. Et vous faire une présentation tout en parlant
assez efficacement parce que faire ce jeu en parlant, c'est compliqué. Je vous dis tout de suite, c'est très compliqué. Donc vous allez voir le niveau 4, hein, tout simplement, après. Voilà. Je maintiens un petit peu le suspense, hein, parce que je vous jure, c'est quelque chose. Bon là, le niveau 1, si là j'ai un problème avec le niveau 1, j'aurai que des soucis par la suite, hein, franchement. C'est... Je pense pas que ça va trop me poser de soucis alors. Oula, quoi? Déjà? Ouh, le combo. Non, 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 non. Oula. D'accord. Ah oui, d'accord. En fait, je m'attendais pas à ce que ça monte aussi vite, en fait. C'est ça le truc. Bon, heureusement. Ah, on peut faire 3 en même temps. D'accord. Oula. Oula. Alors lui, ça sent le chef d'entreprise. Faut certainement pas lui le faire chier. Oh mon dieu. Oh mais arrêtez de boire aussi. Qu'est-ce que vous buvez là, les gars? Vous pouvez des canettes de coca avant que je fasse quelque chose, quoi. Arrêtez. La consommation rapide, hein, les gars. Voilà, vous n'êtes pas des Américains pourtant. Hein. Non. Le cliché, hein. Le cliché direct, quoi. Rang B. Pourtant, j'ai eu le même rang que sur mon précédent stage, qui pourtant, je trouve que j'avais beaucoup mieux maîtrisé. Bref, tout va bien. Alors, là, ça va être sérieux, les gars. Là, ça va être très sérieux. Le fameux niveau 4. Alors, lui... Je pense que je vais me taire. Enfin, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai envie d'être concentré, mais j'ai en même temps envie que vous m'entendiez peut-être galérer. Parce que je vous jure, c'est niveau 4. Ouf. C'est du chaud. Bon, vous savez quoi? Je ne dis rien, je laisse le micro allumé. Mais je pense que là, on va se taper une bonne barre, là, les gars. Alors là, alors là, alors là. En plus que je peux même pas courir, théoriquement. Oh, ça va être un enfer. Oh la vache. Alors, bonjour monsieur. Ben, les enfants y viennent, les salariés, tout le monde, hein, voilà. La belle famille. Le monsieur qui demande toujours le même plat. Allez hop, ah, ça, le cas où il va commencer là. 4! 4 d'un coup! Ouh, masterclass! Bon, en même temps, bon, pour le son, hein, pour la musique et tout, enfin le sound design, tout ça, vous allez souvent entendre les mêmes paroles, tout ça, hein, c'est un peu normal, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est la formule de politesse au Japon. Quoi, non, j'ai déjà fini, mais t'es sérieux? Mais j'avais galéré que... Ah, rang S? Ah ouais, d'accord. Ah non, mais j'avais galéré comme un beau diable, tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh bah, masterclass, hein. Bah, bravo. Ah bah, franchement, sugoiné. Je te dirais que ça. Ah oui, pas mal. Alors là, mon gars, pas mal du tout. Alors franchement, très, très étonné. Ok, bon bah, on va refaire ce niveau, écoutez. Après, on va voir la suite, parce que, bon, j'avais pas vu de bol, à proprement parler, donc je sais même pas si ce sont des niveaux. Pour le coup, j'aurais peut-être dû attendre, parce que je sais que les hommes qui sont habillés en noir, c'est le bouton rond. Bon, ceux qui ont des tocs, c'est ceux qui sont avec la croix, d'accord. Mais bon, des fois t'as pas le temps de réfléchir à faire des combos, hein, je tiens à dire. C'est juste vraiment une question d'organisation, hein, de manière générale. Sachant qu'il y en a, ils vont rabouler là, d'un coup. Enfin, pas trop longtemps. Ça me fait quand même marrer, tu sais, tu prépares même pas les plats. Tu sais, tu sers juste comme ça, tu sors de ta poche ton plat et puis tu démarres de toi. Franchement, bravo. Ah ouais, voilà, ce que j'allais dire. Ce sera bon tous. Oh les salauds. Vous voyez, c'est fun, hein. Enfin, au courant. Mais non. Oh, désolé. Bon, ça arrive. Ça arrive. Allez, non, 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 toi. Non, elle s'est barrée. Je suis mort. Je suis mort.
On le rendait. On le rendait des fées, des fétistes. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, saloperie. Du coup, est-ce qu'il... Ouais, je pense qu'il te propose de réessayer, peut-être, je pense. Ok, c'est exactement ça. Ok, bon, on va se concentrer un petit peu mieux. Non, mais je galère à un niveau que je devrais pas galérer du tout, mais tout va bien. Alors, je sais que c'est une personne qui vient souvent tout à gauche, vers le comptoir du haut. Je dois servir en priorité quand elle arrive. Ok, hop. Bon, ça, prends ça toi aussi. Bouffe. Tiens. Tech 10. Bon, ça va. Là, on a un bon rythme. Est-ce que ça va se maintenir? J'en sais rien du tout. Alors, que la personne arrive. Alors, toi, je te sers. Et toi, je te sers. Aussi, voilà. En priorité. Ah non, 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 c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ah si, quoique, ça va. Quoique, ça va. Oh, il était servi, lui? Non. Oh, zut. Ouah, ouah. Attends. C'est elle, je dois servir. Voilà, en priorité. Bon, ça va, il y en a une, elle commence à avoir la grosse tête, là, c'est bon. Hein. C'est pas parce que je t'ai pas cuit un porc assez bien que tu dois quand même prendre la grosse tête, hein. C'est pas possible, hein. Voilà, rang S, nickel, parfait. Oula. Il a l'air bizarre, lui. Alors, là, je découvre, hein, pour le coup. Oula, oula. Bonjour. Alors, c'est peut-être un événement spécial, c'est peut-être un boss. Un boss dans ce jeu? Oh, oh, Tsugoi! Tsugoine! Je sais pas. Pas du tout. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah! Oh, c'est. Mon dieu, mais. J'oublie les trucs de maternelle, quoi, mais c'est horrible! J'avais pas vu en premier lieu ce que c'était, quoi. Ah, il est passé devant moi. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Voilà, merci. Ouais, mais oh, mon gueule-pain. C'est bon, hein. Mon gars. C'est pas lui. Zut. Oh, oh l'idiot. Non, il me fait tout recommencer. Non. Oh, salopard. C'est quoi ce client exigeant? C'est Philippe Etchebest ou quoi? Eh ben, on sent qu'il a une grosse moustache, pas de temps, lui. Oh la vache! Ah tiens, bouffe! Oh! Mon porc, c'est le meilleur! Oh putain, oh, il est violent! Oh, comment ça, il m'a vaincu? Oh, j'ai violé la manette, pourtant, les gars. Oh, je vous jure, j'ai violé la manette. Ah, excusez-moi du terme, mais voilà, quoi. Vas-y, vas-y. Il reste une seconde, là j'ai peur. Ah, j'étais quoi? À une seconde de perdre, hein. Oh, j'ai de la chance. Alors, t'es content? Ça va? T'en mets pas la moustache, mon gars, s'il te plaît. Ah, ça va, il est content. Ah, il est content. Ah, il est content. Oh putain, la gueule. Il t'atterre une de ses têtes, mon gars. Magnifique. Ok, bon, bah c'est brillamment réussi. Si je comprends bien. Mais ah, une seconde, hein. Une seconde plus tard, j'étais mort, j'étais lessivé, j'étais viré de mon emploi, je me retrouve à la rue. Attention, hein. Du coup, comment ça se passe maintenant? Ok. Tu as été promu, tu es maintenant chef de service. Ah, attends, j'espère que j'ai pas fini le jeu quand même. Ah, t'as des niveaux supérieurs, mais what the fuck, ah ouais. Alors lui, le 5 étoiles. On tente? Hey! Comme on dit qu'il t'entraîne à rien. Bon écoutez les gars, on y va. 5 étoiles. Alors lui.
Et on change carrément de cabinet tout, hein. Pas mal ça. Tu vois, le décor évolue petit à petit. Bon, c'est pas énorme, hein. Tu vois, c'est pas énormément grand chose, mais. Ouais, c'est quelque chose que je trouve assez bien, quoi. Bah, c'est le détail qui fait son importance, comme qui dirait l'autre. Ouais, on sert tous les trois. Je pensais en servir deux. Oh là, alors là, les gars, vous allez juste vous calmer tout de suite. Non, c'est pas lui que je. Oh là, alors, là, mon gars. Ouh. Ah ouais, alors là. Alors là, non, non, c'est pas cette touche. Mais ça va? Oui, bah tiens. Bouffe. Purée. Ah, là là. Parce qu'on est dans un restaurant parisien. Ah, les gens, ils sont jamais contents de ce qu'on leur sert. Incroyable. Oh là là, alors là mon gars. Mais quoi? Ah non, mais j'avais bien appuyé, mais c'était le mauvais cercle. Bah zut. Non, certainement pas ici. Voilà, d'un coup, ça remonte la pente, hein, les gars. Tout doucement. Ça va? Ouais, voilà. On sait que le service rapide au Japon, c'est très rapide, hein. Je veux dire, quand tu vas dans un restaurant japonais, c'est bien simple, tu commandes ton plat. En quelques minutes seulement, c'est fait. Hein. Ah ouais, c'est pas une blague. Hein. Le service rapide au Japon, c'est vraiment extrêmement rapide. Hein. Pour vous dire, c'est vraiment une restauration très rapide, pour vous dire. Hein. C'est vraiment une norme là-bas, de servir rapidement le client. Parce que eux respectent la norme de dire que le client est roi. Donc... Pour vous dire que c'est bien repris dans le jeu, hein. Autant dire la chose comme elle est. Ah mince, c'était triangle aussi. Zut. Bah tiens, allez, bouffe. Non, non, non. Ah. Non. Ah non, mais quand ça accélère comme ça, c'est l'enfer, hein, par moment. Truc de dingue, quand même. Alors, d'un coup, ok. Ouh, 3. Nice. Nice, su. Ok. Quoi encore? Oh non. Oh, saloperie. Oh, prends pas grosse tête, toi aussi. Toi aussi, toi aussi. Ouh, toi aussi. Hop, hop. Et non. J'étais devant. Mais non. Oh, c'est dégueulasse. Oh, j'étais juste devant la personne en plus. J'appuyais sur rond. Mais non. Oh, c'est dégueulasse. Eh, tu me la fais pas. Je réessaye. Je réessaye. Je suis désolé. Oh mon dieu, les gars. C'est pas possible tout ça. Oh, j'étais juste devant, quoi. Mais juste devant. Alors, ça va peut-être faire un combo avec les deux. Ouais. Quel. Ouais. François Hollande. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, François Hollande. Ok. Alors rigolez pas, j'avais me tromper de bouton. Ok, alors oui, ça fait longtemps que... Oui, bah, oh, calme. Quoi? Je l'ai bien servi pourtant. Okay. Quoi, comment ça? Tu me fais attendre 2 secondes de plus? Mais c'est... Je me rends vénère, là. J'imagine les gens comme ça, quoi. Ok, encore un speed up là. Ouh. Non, non. Oh, mauvaise zone. Ah, bravo. Et hop, les deux sont servis. On sait quand qu'elle vient, la femme. Que je puisse au moins un petit peu avancer. Ok, lui. Ah, ouais. Faut pas que je les oublie, eux. Ah, mais j'espère qu'elle est bien payée, en tout cas, hein, parce que, wow. Servir autant de clients rapidement, Ah, j'espère que t'en as pour ton grade, hein. Ouf. Vain Dieu. Oh là là. Oh. Tu vois quand même que là, la courbe de difficulté, là, elle a vraiment monté d'un cran, les gars. C'est un truc de ouf. Ok, nice.
Mais elle vient quand, la femme? Il vient un jour? Oh, c'est à partir d'un certain combo qu'elle vient? Oh, parce qu'il me reste 30 secondes, hein. Et je dois la nourrir deux fois. Pour valider mon niveau. C'est pas possible, ça. Là, wow. Alors là. C'est le concours des grosses têtes, là. Oui, mais viens là. Tiens. Prends ton coquet et casse-toi. Et reviens une seconde fois. Parce que moi, je vais te payer nourrir mes enfants, moi. là, c'est insane, hein, quand même. Tu vois quand même que là, la courbe de difficulté, elle monte d'un cran. En fait, je vais vous dire un truc. Je pense que la femme qu'on doit servir pour remplir l'objectif de mission, elle vient qu'à partir d'un moment où tu fais un certain nombre de combos. Là, j'ai l'impression qu'à 20 ou 15 combos, elle venait. Bon, c'est pas si compliqué que ça, à première vue. Mais quand tu dois maintenir un rythme régulier, que tu dois servir au moins 7-8 clients en même temps, crois-moi que, sachant que je peux pas courir, hein, c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. C'est peut-être ta petite tarte de gameplay, je trouve. C'est que tu peux courir, en fait, et ça va réduire la jauge de morale des gens. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un qui court, ça réduit la jauge de morale des gens? Alors, je sais pas si dans les règles japonaises, dans les lois et tout, courir, c'est interdit. C'est peut-être un truc qu'ils ont respecté, hein. C'est fort probable aussi. Une norme, hein, japonaise, j'ai envie de te dire aussi. Et j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais là, je m'en sens un petit peu affecté, tu vois. C'est dommage. On fait voir, là, pour le coup. Ok, ça, c'est la section des personnages. Je pense qu'ils valent les deux, là. J'avais bien envie de jouer jusqu'à les débloquer, tiens. Mais bon, je vois que je pourrais pas, malheureusement. Et du coup, c'est le système de sauvegarde, les options et tout. Ok. Alors écoutez, je pense qu'on va faire un dernier niveau, voilà. Un niveau calme, un beau niveau, comme ça, voilà, en plein jour et tout. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo après ce niveau. Voilà, ça aurait été la petite présentation de ce jeu qui, mine de rien, m'étonne. Parce que mine de rien, je me disais, waouh, un jeu publicitaire et tout, mais... Ça sent pas bon, au final. Ça sent plutôt très très bon, parce que le jeu, très arcade, maintient mon rythme de niveau. Bon, je dis pas que vous y passerez des longues heures dessus, mais... Moi, je trouve que le jeu était vraiment bon, quoi. Franchement, je me suis dit, le jeu, franchement, pas mal, quoi. Vraiment pas mal du tout. Oula. 4 d'un coup, et ben nickel, ça. Voilà, 2 aussi, allez, hop. Non, parce que je m'amuse. C'est simple que ça, je m'amuse très très bien. Ah, je sais que je l'avais servi, elle. Ah, ben voilà. Voilà, c'est bien ce que je dis. Je pense que ça va partir d'un... Merde, mince. Je pense que c'est à partir d'un certain pourcentage de combos d'affilée. Quoi, j'appuie sur rond? T'es sérieuse? Ah, ça se calme un petit peu, au moins. Hey, mon gamin, toi. Mon gamin. Tu vas te calmer tout de suite, sinon je t'offre rien du tout. Hein. C'est pas possible, ces gens. Ah. Et je me tape tout. Hein. Les salariés-man énervés, les gamins énervés, les... Les femmes énervées, les salariés-man également, tout ce qu'il faut, hein, toute la famille, hein, bien entendu. Enfin voilà, oh là, je me suis bien débrouillé, cette fois-ci. Rang A peut-être? Non, rang B. Ça va, ça va. Moi, ça s'est bien passé et tout. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup de personnes de même couleur qui se sont assis au même endroit. Donc des combos de 4 et tout, j'en ai fait assez bien pour remplir vite l'objectif de l'émission et tout. Donc, c'est quand même pas plus mal, j'ai envie de te dire aussi. Voilà. On va écouter, petits amis. Ça aurait été tout pour cette vidéo, voilà, donc la petite présentation de ce jeu du nom de Yoshinoya. Donc, un jeu totalement inconnu, encore une fois, sur PlayStation 2, un jeu obscur, vous avez l'habitude sur ma chaîne, je pense, hein, au bout d'un moment. Je pense que vous avez l'habitude, les gars, mais voilà, ça me fait toujours plaisir de vous présenter ce genre de jeu, qui mine de rien, des fois ça peut donner des mauvais jeux, des fois on peut tomber sur de très bonnes surprises, et Yoshinoya ne déroge pas la règle, parce que mine de rien, c'est un très bon jeu à mes yeux. Je dis pas que tu passeras des heures, de longues heures dessus, mais franchement, très bon moment pour se défouler. Voilà. Franchement, ça me fait plaisir de vous partager ça, et j'espère que vous aurez aimé tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, petits amis, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. C'était Tien, et à bientôt tout le monde, les petits amis. Ciao, bye bye, les gars.